Salut à toutes et à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau parcours sur GTA Online, un parcours de Kazitili, le 91, avec la Ratrod. Bon, ce véhicule, de toute manière, je ne le connais pas. Je l'ai jamais conduit, jamais utilisé en parcours. Donc ça va être une découverte. Parce que bon, voilà quoi. Esthétiquement, on est sur un thème à la Mad Max. De ce que j'ai compris, le parcours allait être facile. Niveau facile en tout cas. Bon, la direction, c'est pas trop ça. Je pense qu'elle est plus typée. Le dragster. Il y a quand même pas mal de parcours qui se situent dans cet endroit. Faut que je fasse gaffe de ne pas aller trop vite dans les virages. D'ailleurs, sur le truc, enfin, ça se passe comment? Est-ce que c'est faisable? Non, les roues sont pas au même endroit. Hein. Aïe. Je regarde souvent derrière moi. C'est pour voir si le véhicule n'est pas trop abîmé. Le véhicule est à la traîne. Hein. Et c'est donc parti, après 2 minutes de balade. Ok, ça tourne pas, même à très faible vitesse. Ça va être long. Surtout que de manière générale, les points sont quand même assez loin. Ah, elle n'a pas désactivé le mauvais sens dans les paramètres. On peut désactiver le mauvais sens maintenant. Alors, faire attention à la boule. C'est tellement loin. Obligé de faire des créneaux. Que ça passe pas en une fois. Où je peux faire déraper la voiture, mais ce sera assez compliqué. Il a mis un petit mur, c'est gentil. Bon, jusque là, ça va. Jusque là, ça allait. Fallait que le karma frappe directement dès que je te dis ça va, ça se passe mal à chaque fois. D'accord, le spawn. Toujours aussi sympathique. Et la voiture décide de caler. Super, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi? Je comprends pas ce qui se passe. Tout allait bien. Et là, le véhicule fait n'importe quoi. Bon, en tout cas, je ferai pas de parcours avec cette voiture. Oh non, je peux plus passer maintenant. Comment je vais faire?
C'est le problème. C'est comment je passe? Comment je suis censé passer? Il manque pas un élément. Et je peux pas tricher. Me voilà coincé comme un abruti. Level facile qui dit, ouais. Il manque un élément surtout. Points de passage. Bon, le passage des flèches n'était pas évident. Ou j'ai pas eu de chance, certainement. C'est sûrement ça. J'ai pas eu de chance. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est la question là. Certainement comme ça. Où j'aurais pu couper par la plage, j'ai évité de me prendre le détour. Ah, le passage fin, on y est. Il est un peu plus serré celui-là. Ah, il faut de la vitesse, bien évidemment. Bah oui, bah oui, bah oui. Un panneau, ça existe. Catastrophe. C'est même pas droit en plus. C'est sur le côté, histoire que tu te loupes bien. Eh ben, la souffrance. Pour l'instant, la difficulté elle est normale. Elle est normale. C'est juste que le véhicule est totalement dégueulasse et que tu peux pas faire grand chose correctement. Tu peux même pas faire un looping avec. Le véhicule part tout droit. Je n'ai aucun contrôle sur le véhicule. Voilà, c'est débile, mais j'ai aucun contrôle sur le véhicule. Le véhicule ne répond pas à mes commandes. Ah, super. Allez, le retour de ces flèches. Bon. C'était chaud.
Ok. Même la caméra fait n'impossible. Y a rien qui va. C'est terrible ce qui se passe. C'est la fin? Bon. On entend les boules tomber. Je pense avoir même mis le même temps que quasi. Elle est vraiment éclatée cette bagnole, hein. J'arrive même à tomber sur un trou d'un centimètre. Aïe aïe aïe. Bah, de toute manière, je suis fatigué, ça s'entend certainement à ma voix. Je suis claqué. J'ai dit que je prenais du repos, mais. Je suis quand même fatigué. En tout cas, j'espère que ce parcours vous aura plu. Une petite difficulté au niveau des flèches, mais hormis ça, ça va. Niveau normal, je dirais pas facile, vu le véhicule que c'est. Je vous retrouve samedi, normalement pour le DLC sur Dragon's Dogma Dark Horizon. Pour l'instant, j'ai pas pu beaucoup jouer en off pour monter les niveaux. Donc. Peut-être que le DLC, je le ferai après. Mais voilà. Bonne soirée à tous et à samedi. Ciao, ciao.